into the jungle, or living with some little men and women. They are all possible. And maybe. Mon solo c'était intitulé Un libre avenir. Oui, comme le nom de la compagnie, parce que Africanam c'est un mot anglo-olof, Afri, Afri, like un free, un libre, avenir, Kanam, comme en Wolof, la face, l'avenir et tout. Donc c'est la même chose, le nom de la compagnie Africanam et le nom du spectacle, Un libre avenir. Et j'ai fait un peu de rétrospective pour autant colonial et tout, pour revenir retracer un peu l'histoire d'Afrique et donc pour se révolutionner, pour avoir un avenir meilleur. Les danseurs contemporains doivent avoir la danse, musique, théâtre et les, je pense les arts martiaux, mais la danse et la musique, tu vois, en même temps chanter ou bien jouer un instrument. Et aussi moi aussi dans mon spectacle, comme que j'ai fait des arts martiaux, il y a de la danse martiale africaine. J'ai fait du Kung Fu pendant 10 ans, 15 ans jusqu'à nos jours, là, jusqu'à présent je continue à faire du Kung Fu et Capoeira un peu, tu vois. Et la danse martiale africaine, donc ça, c'est pas encore répertorié. Tu vois, ça c'est venant d'Africanam. L'afro-pop et la danse martiale africaine sont deux styles de danse qui ne sont pas encore répertoriés. Thank you.